Il est midi 3, l'heure de prendre la direction de la Lozère où les agriculteurs frappés par la crise invitent cet après-midi les représentants des grandes surfaces à venir visiter leurs exploitations. Et on va rejoindre Julien Tufry, le vice-président des jeunes agriculteurs du Languedoc-Roussillon. Bonjour. L'objectif, c'est d'obtenir des meilleurs prix pour votre viande et votre lait. Est-ce que les distributeurs ont répondu présent ? Oui, alors on a beaucoup de distributeurs qui vont venir à notre rencontre du Grand Languedoc-Roussillon. L'objectif pour nous, c'est d'expliquer que les prix aujourd'hui ne sont pas suffisants, que les exploitations n'atteignent pas des revenus décents à cause en partie d'eux. Et donc c'est un objectif de construction puisque nos syndicats agricoles protestent beaucoup au niveau départemental, régional et aussi beaucoup au niveau national avec des revendications qui sont légitimes. Mais il y a aussi un travail de construction qui est nécessaire et ce travail, nous le faisons. Nous ne sommes pas toujours à attendre après les autres. Nous aussi, nous savons nous prendre en main. Nous allons rencontrer les distributeurs de cette région pour leur expliquer que soit ils acceptent d'augmenter un petit peu les prix payés aux producteurs, soit à ce moment-là, on pourra passer à des actions beaucoup plus fortes. Alors, pour l'instant, ce dialogue que vous avez instauré depuis cet été avec la signature d'une charte au niveau départemental ne porte pas ses fruits à grande échelle. C'est un petit peu la rencontre de la dernière chance. Vous y croyez encore ? Oui, on y croit encore parce qu'au début, nous avions fait des chartes au niveau du département de la Lozère. Cette charte indiquait que les supermarchés devaient abattre exclusivement de la viande française, en particulier de la viande lozérienne. Ça a fonctionné. Nous, ce qu'on veut, c'est transformer l'essai au niveau régional pour que ça donne des idées à d'autres responsables agricoles d'autres départements et à d'autres distributeurs pour qu'on mette en avant les productions françaises. Et si demain, nous mettons en avant les productions françaises, eh bien, ce seront les paysans de la France, les paysans du Languedoc-Roussillon qui seront gagnants. Et si cette rencontre ne donne rien, est-ce que vous ne craignez pas d'être un petit peu dépassé par votre base ? Alors, nous, on est dans un esprit de construction. Bien évidemment, si les supermarchés, si les centrales d'achat, si les distributeurs n'entendent pas notre message, s'ils n'arrivent pas à infléchir sur le prix, bien évidemment, on passera des actions plus fortes. Et nous irons les voir chez eux, nous irons voir les étiquettes, nous irons voir les emballages, nous irons voir les promotions, et puis nous passerons à l'action. Vous savez, dans l'agriculture, nous savons faire ce genre de choses. Hier, l'Assemblée nationale a retoqué une proposition de loi des Républicains qui concernait un plan d'urgence pour sauver la filière. Est-ce que la solution peut venir encore des politiques aujourd'hui ? La solution, elle est, nous ce qu'on cherche, c'est des réponses structurelles. La solution, elle est bien évidemment politique. Nous avons aujourd'hui des problèmes par rapport notamment à l'embargo russe. Nous avons aujourd'hui des problèmes diplomatiques avec certains pays qui bloquent certains marchés. Alors, il faut travailler, c'est ce que nous allons faire aujourd'hui sur le marché intérieur français, mais il faut aussi travailler sur le marché international. Et si demain, les responsables agricoles, les responsables politiques se rendent compte de la chance qu'ils ont d'avoir une agriculture comme on l'a en France, qui produit des produits de qualité, des produits diversifiés, eh bien, il n'y aura plus de problème de crise agricoles. Parce que merci. Si on n'avait pas ce problème de l'embargo russe aujourd'hui, on n'en serait pas où on en est. Voilà. On a très bien compris. Merci beaucoup Julien Tufry d'être venu aujourd'hui nous expliquer tout ça. Les grandes surfaces et les éleveurs de Lozère autour de la même table, ce sont les syndicats agricoles qui ont lancé l'invitation. Avec les prix actuels du lait et de la viande, les producteurs peinent à gagner leur vie. Objectif affiché de la rencontre, s'accorder plutôt que s'affronter. Sébastien Banus et Bruno Pension-Billon. Les dirigeants des grandes surfaces de la région ont décidé de jouer le jeu. Répondre à l'invitation des agriculteurs pour visiter une ferme et découvrir à leur côté la réalité du métier d'éleveur. Nous avons choisi une exploitation bovin-viande, bovin-lait, donc, qui est au top de la qualité, pour bien faire comprendre, donc, dans le cadre de la pédagogie aux grandes surfaces, les problèmes qui sont posés donc, au niveau de l'élevage régional. Objectif de ces visites, établir une charte qui favoriserait l'achat de produits locaux. Une charte qui existe déjà en Lozère et qui a permis d'améliorer la situation des agriculteurs. Quand on achète en direct, on ne prend pas de marge, on prend la marge juste qu'il nous faut pour pouvoir vivre nous aussi. Et on achète au bon prix de leur côté aussi. Voilà. Après, il y a un problème national, international, ça il faut le régler à notre échelle. On règle notre problème, on remontera les informations au niveau national. Les dirigeants de grandes surfaces présents ont quasiment tous signé cette charte pour répondre à la crise des producteurs. Mais
En l'absence des transformateurs, pourtant invités eux aussi, la chose paraît plutôt vaine. Il y a aussi les transformateurs qui sont très importants, les industries agroalimentaires, qui ne sont malheureusement pas venues aujourd'hui. Et ça, c'est un petit peu la note négative de la journée, c'est qu'aujourd'hui, nous n'avons pas eu les entreprises de transformation. Eh bien, moi, je dis aux entreprises de transformation, si elles regardent le journal de France 3, qu'elles ont plutôt intérêt à venir nous voir, parce que sinon, on ira les voir, rapidement. Pédagogie, négociation, l'idée de ces rencontres doit se répéter partout en France dans les prochains jours. Mais en cas d'échec, les occupations de magasins et d'usines de transformation ont été brandies par les syndicats.